c'est là que l'on connaîtra les médaillés d'or, d'argent et de bronze lors des championnats du monde. En mars 2009, les Pays-Bas avaient remporté l'or, la Suède d'argent et les États-Unis de bronze. All right, ladies and gentlemen, the format for today's race, the skaters will be racing in a team of three. They have to finish the race together, of course, and the winner will move on. That is how things will go. That's how things will shape up. All right, we're about 20 seconds away from getting started, and it's time for the fans to do a little warm-up, get on your feet, get those lungs ready for a little cheering. What we're going to do is on the count of three, I'm going to say hip, hip, you give me hooray, and this is going out to all the teams for a great skate. This is how it works. On the count of three, I say hip, hip, you give me hooray. Ready? One, two, three, hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. Right on, you guys sound awesome. Alors, les premières équipes sont en piste pour cette poursuite quart de finale chez les hommes. Tout d'abord, du côté de la ligne d'arrivée, ils sont les médaillés d'argent en titre représentant le Canada. All right, ladies and gentlemen, we are set to begin Team Pursuit competition. Starting first, wearing the white armbands representing Team Canada, please welcome Mathieu Giroux, Lucas Mikowski, and Denny Morrison. Du côté de la ligne de croisement, ils sont les champions olympiques en titre. Ils ont le dessin rouge représentant l'Italie. Starting on the opposite side, wearing the red armband, representing Team Italy. Please welcome Matteo Annesi, Enrico Fabris, and Luca Stefani. Go to the start. Ready. All right, clean start. Our first pair. Thank you.
Alors, ils sont en préparation dans l'aire de réchauffement. Ils vont s'amener sur la piste dans les prochaines secondes. Voilà, ils s'amènent en piste. Alors, du côté de la ligne d'arrivée, ils ont le dossard blanc et ils sont les représentants de la Norvège. All right, ladies and gentlemen, we are set for our second quarterfinal. Wearing the white armband, representing Team Norway, please welcome Håvard Bucko, Mikael Fligen Larsen, and Frederik Vanderhorst. Du côté de la ligne de croisement avec dossard rouge, représentant la République de la Corée. Starting on the opposite side, wearing the red armband, representing the Republic of Korea, Ha Hong-soon, Lee Jung-woo, and Lee Sung-hoon. Go to the start. Ready.
États-Unis d'Amérique. All right, ladies and gentlemen, we are set for quarterfinal number three. First, wearing the white armbands and representing the United States of America, please welcome Chad Hedrick, Jonathan Cook, and Trevor Marsicano. Du côté de la ligne de croisement avec De Saint-Rouge, représentant le Japon. Starting on the opposite side, wearing the red armbands, representing Team Japan, please welcome Shigeyuki Dejima, Hiroki Hirako, and Teruhiro Sugimori. Go to the start. Ready.
four parts of this race in that transition. Rappelons que les médailles olympiques en poursuite étaient l'Italie, le Canada et les Pays-Bas. Et lors des championnats du monde ici à Richmond en mars 2009, les Pays-Bas avaient été médaillés d'or, la Suède, médaillés d'argent et les Américains avaient remporté le bronze. C'est la dernière quart de finale de cette poursuite chez les hommes, du côté de la ligne d'arrivée avec le dessert blanc, représentant les Pays-Bas. All right, ladies and gentlemen, we are ready for our final quarterfinal. First, wearing the white armbands, representing Team Netherlands, please welcome Jan Blokhuizen, Sven Kramer, and Simon Kuipers. Du côté de la ligne de croisement avec le sang rouge, équipe représentant la Suède. On the opposite side, wearing the red armbands and representing Team Sweden, Joel Eriksson, Daniel Krieber, and Johan Roller. Go to the start. Red.
Goed. Ik stak hem iets te snel achter, zeg maar. Ja. Thank you.
right, ladies and gentlemen, we are about 3.5 minutes away from resuming with the men's semifinals. Bear in mind, tomorrow we will have ladies' semifinal competition followed by the finals for both men and women. So our Olympic medalists will be decided tomorrow. Coming right up, men's semifinals, we have Team Norway versus Team Canada, and then Team Netherlands versus Team USA. And it has been close. Almost every race we've seen so far today has been extremely close. Leads have been exchanged throughout the race. So every single team is gonna have to lay down a perfect performance. Autre résultat, en provenance cette fois du Centre olympique de Vancouver pour le match de la médaille de bronze en curling. C'est le match de médaille de bronze en curling chez les dames. Et la Chine a remporté la médaille de bronze contre la Suisse. La Chine qui l'a emporté 12-6. All right, some more results from other venues. First, and right now, we're going to take a look at curling. The women's bronze medal match, China versus Switzerland, and China has captured bronze, winning 12-6 against Switzerland. Et avec un peu moins maintenant de 3 minutes à jouer, en première demi-finale au hockey chez les hommes, c'est 6-1, les États-Unis. And in the third period, the results from men's hockey, it's Team USA 6, Team Finland 1. And there's 2 minutes resuming, or 2 minutes left, sorry, in the game. À 1 minute du premier départ de la demi-finale, première demi-finale chez les hommes. Équipe Canada contre la Norvège dans quelques instants. Équipe Canada qui a établi un nouveau record olympique. Alors, on espère que la foule est prête à encourager les deux équipes. We are moments away. Up first will be Team Norway versus Team Canada. Two semifinals. The winners advance to the gold medal round. The losers will advance to the bronze medal round tomorrow. Évidemment, la cérémonie de la remise des médailles aura lieu ici, à l'anneau olympique de Richmond demain après les épreuves. Ski alpin chez les dames, c'est terminé. L'Allemande Reich remporte la médaille d'or. L'Autrichienne Schild remporte la médaille d'argent. Et la Coréenne Sarupska, médaille de bronze. Alors, première paire demi-finale est maintenant en piste. Du côté de la ligne d'arrivée avec le Sartland, l'équipe représentant la Norvège. All right, ladies and gentlemen, we are ready for our first semifinals on the men's side. First of all, wearing the white armbands representing Team Norway, please welcome Håvard Bokko, Henrik Christensen, and Frederik Vanderhorst. Du côté de la ligne de croisement avec le sang rouge, ils sont les nouveaux détenteurs du record olympique, représentant le Canada. And on the opposite side, wearing red armband, representing Team Canada, please welcome Mathieu Giroux, Lucas Mikowski, and Denny Morrison. Gold to the start. Red.
demi-finale numéro 2 chez les hommes en poursuite. Du côté de la ligne d'arrivée avec le 200 blanc, équipe représentant les Pays-Bas. All right, ladies and gentlemen, we are set for our final semi-final of the day. Wearing the white armbands and representing Team Netherlands, please welcome Jan Blokhuizen, Sven Kramer, and Mark Tuitert. Du côté de la ligne de croisement avec les 200 rouges, équipe représentant les États-Unis d'Amérique. And on the opposite side, wearing red armband, representing the United States of America, it's Brian Hansen, Chad Hedrick, and Jonathan Cook. Go to the start. Red.
rappelle que vous regardez en direct de Cypress Mountain, le slalom en parallèle snowboard. All right, ladies and gentlemen, once again on the video board, you're watching from Cypress Mountain, snowboard slalom, live competition. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes à moins de deux minutes de vous présenter les finales chez les hommes. Finale pour la médaille de bronze. Finale pour la médaille d'or. Entre-temps, en cinquième position se sont classés la République de la Corée. En sixième place se sont classés l'équipe de l'Italie. En septième position, l'équipe de la Suède. Et en huitième position, l'équipe du Japon. Une fois les finales chez les hommes présentées, il y aura une pause et par la suite, on complétera avec les finales pour la médaille de bronze chez les dames et la médaille d'or. All right, ladies and gentlemen, we are not too far away from resuming competition with the gold and bronze medal battles here for the men's side. To recap your standings after the C&D finals, in fifth is Team Korea, sixth Team Italy, seventh Team Sweden, and eighth Team Japan. And we will be getting underway with our B final, Team Netherlands versus Team Norway. En 50 secondes maintenant, le départ hier, Team Canada qui a établi deux nouveaux records olympiques. Est-ce qu'aujourd'hui ils vont réitérer un autre exploit d'à nouveau battre leur propre record olympique qui est maintenant de 3:42.22? World record 3:37.80 held by Team Netherlands, the Olympic record 3:42.22, which Team Canada set yesterday. Team Canada captured a silver medal in this distance at the Olympic Winter Games in Torino, Italy, 2006, Team Netherlands the bronze. Obviously, Team Netherlands battling out for the bronze here again against Team Norway. And then, of course, on the gold medal side, it is Team Canada versus Team USA. Alors, nos deux équipes sont maintenant en piste pour cette première finale aujourd'hui du côté des hommes. Poursuite en équipe finale pour l'obtention de la médaille de bronze. Du côté de la ligne d'arrivée, avec les dossards blancs représentant l'équipe des Pays-Bas. All right, ladies and gentlemen, we are set to get underway with our B final, a battle for bronze, first team. Starting on wearing the white armbands, representing the Netherlands, please welcome Jan Blokhuizen, Sven Kramer, and Mark Kouters. Du côté de la ligne de croisement, avec les 200 rouges, équipe représentant la Norvège. Starting on the opposite side, wearing red armbands, representing Team Norway, please welcome Håvard Bokko, Henrik Christensen, and Mikael Fliggen Larsen. Go to the start. Ready. Thank you.
Nouveau record olympique. Pendant que l'on voit encore une fois cette arrivée du côté des Norvégiens. Au tour maintenant de la grande finale de la poursuite en équipe chez les hommes pour la médaille d'or. Du côté de la ligne d'arrivée. Ils ont battu hier deux fois le record olympique. Ils portent les dossards blancs. Il représente le Canada. All right, ladies and gentlemen, we are set for our gold medal final. Introducing first, wearing the white armband, representing Team Canada, please welcome Mathieu Giroux, Lucas Makowski, and Jenny Morrison. Du côté de la ligne de croisement, avec de sang rouge, représentant les États-Unis d'Amérique. Starting on the opposite side, wearing red armbands, representing the United States of America. Please welcome Brian Hansen, Chad Hedrick, and Jonathan Cook.
the start. Ready.
first. Absolutely, a good shot there on the video board. You know, this team, coached by Marcel Lacroix, he spent so many hours with this team preparing to execute this race. I know the men struggled at the beginning. They had some performances that were a little bit less than what they expected, but they really turned it around. The three men out there on the ice right now bringing gold home for Canada, led, as I said, by coach Marcel Lacroix. I know Marcel was just ecstatic with that race. He did such a great job preparing these athletes to go out there and perform. He just saw perfect execution. Absolutely perfect execution of that race. And of course, now gold medal. And you know what? Team USA, great race for them too. They were bronze medalists last year for the World Championships. They missed out on medals at the 2006 Olympics. And Chad Hedrick had the medal collection. New medals for the other members of the team. And he had a great race as well. Great performance yesterday. Remember, ladies and gentlemen, following the races today, we will have the medal ceremony, victory ceremony. I know all the Canadian fans in the house will be sticking around to hear the Canadian national anthem, and we will determine our gold medalists on the women's side in just a few moments. Restez avec nous après les épreuves d'aujourd'hui parce que ici, dans l'anneau olympique de Richmond, nous aurons la présentation, la remise des médailles à nos deux divisions, du côté des dames et du côté des hommes. I know that Marcel Lacroix spent a lot of time with his athletes over the past couple of weeks, preparing them mentally, but especially in the past 5 days, rallying the troops, getting them together. Those guys have put down a great performance. Team USA also a really strong finish. I mean, it was so close. We're talking tenths of a second. I mean, this is not a lot. You know, a matter of meters determined gold and silver. And, you know, just it has to be perfect execution at this level. And obviously, Team Canada was able to do that today. Team USA also a great team.
such a great athlete. Chad Hedrick had fantastic performance in 2006, former inline skater. Had great races here. And now has a silver medal to his collection of medals. Mesdames et messieurs, la cérémonie des vainqueurs de la poursuite par équipe chez les hommes. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the men's team pursuit. Seront remises par Madame Claudia Bockel, Allemagne, médaillé d'argent en escrime, Monsieur Richard L. Carrion, Porto Rico, et Monsieur Ottavio Cinquanta, Italie, membre du Comité international olympique, accompagné de Monsieur Joel Chauvy, Monsieur Gunther Schumacher et Monsieur Lee Lang, représentant l'Union internationale de patinage. The medals will be presented by Mrs. Claudia Bockel, Germany, silver medal in fencing. Mr. Richard L. Carrion, Puerto Rico. And Mr. Ottavio Cinquanta, Italy, members of the International Olympic Committee. Accompanied by Mr. Joel Shaw. Mr. Gunther Schumacher. And Mr. Lee Lan, representing the International Skating Union. Médaillé de bronze, représentant l'équipe des Pays-Bas. Bronze medalist, representing Team Netherlands. Team Netherlands. Jan Blockhausen. Sven Kramer. Simone Kelpers. Mark Teutert. Thank you.
Médaillé d'argent, représentant les États-Unis d'Amérique. Silver medalists, Team USA. Mesdames, Messieurs, médaillés d'or et les champions olympiques représentant l'équipe du Canada. Gold medalists and Olympic champions, Team Canada. Denny Morrison. Ladies and gentlemen, the national anthem of Canada. Les médaillés olympiques.
Ladies and gentlemen, the Olympic medalists. Yeah, dude. Best of luck to you. You guys. Hey, retired man, huh? Good man. Number 12, Canada.